Ce soir dans Rail One, embarqué dans un convoi exceptionnel pour démarrer cette émission spéciale. La locomotive à vapeur numéro 5 du LEB a transité du Blonay-Chamby à Echallens pour pouvoir rouler sur sa ligne d'origine. C'est la séquence exploitation. Qui dit festivité dit de nombreux stands. L'un d'entre eux a été particulièrement scruté par Tim Chanet et Tristan Ostina, celui proposant de découvrir l'ARe 4/4 numéro 25. Présentation de cette belle machine dans notre chronique matériel roulant. Avant de pouvoir acheter nos billets en un clic sur nos téléphones portables comme aujourd'hui, bien avant cela, il fallait obligatoirement présenter un titre de transport physique que le contrôleur devait composter. On remonte le temps avec Christophe Beuret qui nous propose de découvrir une imprimerie à billets toujours fonctionnelle, un brin de nostalgie dans la séquence histoire. Nous terminerons par la découverte d'Étienne, aujourd'hui à bord de la locomotive numéro 5 du LEB, exploitée entre Bercher et Echallens, spécialement pour l'occasion. Des images à ne surtout pas manquer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette palpitante émission où nous serons seulement trois à vous accompagner. Jules et Mathis, un plaisir. Bonsoir, un plaisir également. Bonsoir Étienne, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous fêtons les 150 ans du Lausanne-Echallens-Bercher en partenariat avec les Transports lausannois et le Blonay-Chamby. Les 150 ans de la brouette, nous pourrions dire également. Oui, mais bon, on va quand même rester sur le LEB, c'est plus gentil. Les festivités vont gentiment démarrer, signe pour nous qu'il faut démarrer l'émission et ne perdre aucune seconde. Le temps nous est compté. Rail One, saison 4, épisode 4, c'est parti. À l'occasion des 150 ans du LEB, le réseau reçoit une invitée spéciale, la Ge 3/3 5. Cette locomotive, avant d'arriver au Blonay-Chamby en 1973, a roulé jusqu'au LEB en 1934. C'était donc l'invitée toute désignée pour venir ici à Echallens. Mais comment cette vieille dame de plus de 20 tonnes s'est baladée dans une grande partie du canton de Vaud? Découvrez ça dans la chronique exploitation avec Mathis Chatillon. Bienvenue sur une séquence rare, le transfert d'une locomotive d'un réseau ferré à un autre. Pour nous, cela s'est déroulé en deux parties. Mercredi 20 septembre au soir, Jules Grucy est allé rejoindre la Ge 3/3 5 à Blonay, où elle transitait pour rejoindre Vevey et y passer la nuit. Le lendemain matin, nous l'avons retrouvée devant le dépôt MVR de Vevey, prête à être embarquée. Voici le camion, il est équipé d'une remorque conçue pour les locomotives à voie métrique. Notre loco, encore un peu chaude de la veille, peut légèrement rouler pour se positionner. Après une stabilisation de la remorque, une sorte de rail éphémère et montant est installé. Il est bien sûr solidifié et sécurisé au maximum pour qu'aucun problème ne survienne. Madame ne montera pas seule, elle sera tirée par un treuil jusqu'à son point d'ancrage pour le voyage. Maintenant parfaitement positionnée, la 5 est enchaînée. En tout, pour arriver jusqu'à là, il n'aura fallu qu'une seule heure. C'est parti. Nous avons pris de l'avance pour l'avoir passée sur l'autoroute, puis nous l'avons rattrapée pour la suivre jusqu'à Echallens, notre terminus. Nous sommes maintenant au dépôt des transports lausannois. Le processus inverse peut s'enclencher. La locomotive est détachée, le rail éphémère est de nouveau installé pour laisser glisser la loco jusqu'au rail chalençois. Tout légèrement tiré puis poussé, Madame est maintenant prête, à l'abri des regards. De très nombreux stands sont proposés au public pour découvrir l'histoire du LEB et découvrir comment le réseau fonctionne. Tim Chanet et Tristan Ostina sont allés à l'un d'entre eux, celui de l'ARe 4/4 25. Découvrez tout ça dans la chronique Matériel roulant. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la chronique Matériel roulant. On se situe actuellement dans une automotrice historique du LEB avec David Borel. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, David Borel, je suis responsable de la maintenance du matériel roulant au LEB. Donc, ce véhicule en fait partie de mon champ d'application. Et pouvez-vous un peu nous expliquer un peu son histoire, d'où elle vient? Alors l'histoire de ce véhicule qui est de 1947 je crois. Exactement, d'après-guerre, qui est la dernière née des ateliers SVS Sécheron de l'époque. Donc il faut savoir que devant elle, il y a 4 autres véhicules. Celle-là a été construite après-guerre pour compléter la flotte du LEB. Et comment ça se fait qu'elle soit toujours là aujourd'hui ? Alors, le LEB, comment dire ça, ils aiment bien l'historique, on va dire en guillemets, toutes les locomotives, avec l'électrification, ont été gardées. Il y avait 2 autres véhicules 26-27 qui sont toujours à l'actualité, mais dans un autre continent, à Madagascar, pour ceux qui savent. Ces véhicules, donc, en lot de 5, je disais, ont été conservés jusque dans les années 80 à peu près. Certaines ont été démolies suite à des accidents, incendies. Il ne restait plus que 2, la 21 et la 25. La 21 était, suite à des gros défauts mécaniques, électriques, était mis au rebut il y a quelques années de ça, je ne sais plus exactement la date. Et la 25 a été modifiée dans les années 98 pour devenir un train-resto, pour faire un petit peu une... Comment dire, une attraction touristique. Exactement, voilà. Offrir des goûts dans le terroir, du gros de veau, montrer un peu... faire connaître le gros de veau à d'autres personnes, d'autres cultures, voilà. C'est vraiment du touristique. D'accord. Et il me semble que la révision a été notamment faite suite à un incendie? Alors, semblerait-il que la 25, donc le véhicule dans lequel nous nous trouvons, est sa jumelle la 21 a eu un incendie électrique au niveau de la toiture lors d'un déclenchement de ligne de contact. Je ne me rappelle plus exactement l'histoire. Et celle-ci aussi a eu des dégâts de feu. Ce qui aurait permis justement la modification, la transformation d'une automotrice voyageur en ce que nous avons ici, en un espèce de train-restaurant avec des petites tables. Une très belle automotrice, somme toute. Au niveau technique, c'est une ARe 4/4. Qu'est-ce que cela signifie? Tout à fait, alors c'est un A majuscule, ce qui signifie véhicule de première classe, le R pour restaurant, et le E parce que c'est un véhicule électrique en 1500 volts continu. et 4x4 du coup pour 4 essieux moteurs sur 4 au total. Exactement. Ce véhicule a la particularité d'être légèrement différent des autres trains actuels. C'est un véhicule qui fonctionne au frein à vide. Les autres, c'est du frein à air, là c'est du frein à vide. C'est le dernier véhicule de la ligne, hormis la vapeur, équipé de freins Hardy. D'accord. Eh ben, David Borel, merci beaucoup. Avec plaisir, et je vous souhaite une bonne visite dans cette journée du 150e. Merci, à bientôt dans Rail One. À bientôt, merci. C'est pratique, c'est chic. Vous avez l'occasion d'avoir un bout du ferroviaire suisse chez vous avec la boutique Rail One qui est toujours disponible sur notre site internet railone.ch sur l'onglet boutique. Ces nombreux objets et goodies portent nos plus belles images et en faisant vos courses chez nous, vous contribuez à soutenir notre émission. Et ça, c'est plutôt chouette. Souvenez-vous des billets avanceux sur le téléphone? Alors oui, il y en a encore aujourd'hui, mais ceux en carton ont quasiment disparu. Ces petites cartes contenant toute l'excitation qu'on pouvait avoir avant un voyage. Eh bien, il en fallait du travail pour les fabriquer. Découvrez cela dans la chronique Histoire préparée par Christophe et Ryan. Bonsoir à toutes et à tous. Pour cette chronique histoire de cette émission spéciale 150 ans du LEB, je ne vais pas vous raconter l'histoire de la ligne, parce que l'histoire de la ligne vous a déjà été présentée dans la saison 2 de Rail One. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, et pour vous parler de quelque chose de très spécial, j'accueille Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu veux rapidement te présenter ? Alors Nicolas Gamet, je suis typographe imprimeur à la cathédrale à Lausanne. J'ai une petite imprimerie et on imprime de tout et surtout des billets en carton, des billets Edmondson. Voilà, donc vous l'avez entendu, il est typographe. Il va vous présenter, vous expliquer comment on fait les billets. Alors, on a ici quelques billets. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des billets qu'on a ici? Alors, dans cette présentation ici, on a des billets historiques du LEB, plutôt des années 70. On a des billets Edmondson en carton, on a des cartes journalières papier et tout ce qu'on a là était imprimé semi-manuellement avec des lettres de plomb et du papier d'époque qui ont servi jusqu'à l'arrivée de l'informatique, on va dire. Alors, tu as dit semi-manuellement avec des lettres de plomb, ça m'intrigue, montre-moi ça. Alors pour pouvoir imprimer, on doit en fait faire notre composition, faire notre texte. Et pour pouvoir faire notre texte, on a besoin des lettres en plomb et on a tout ce qu'il faut ici pour en fabriquer. Alors je vais d'abord me protéger la main parce que le plomb, c'est chaud. Alors j'ai vu, c'est marqué attention 300 degrés. Hein. Voilà, exactement. On a le plomb ici qui est à 300. On a... Pour pouvoir fondre notre lettre, en fait, on a la matrice de notre lettre ici. Alors, aujourd'hui, c'est pas une lettre, c'est une petite machine à vapeur. Et on a le moule qui a été refabriqué selon un exemple du XVIIe siècle. Et on va mettre, en fait, le moule, la matrice et le moule ensemble. Hop. Et ensuite, on va prendre notre plomb qui est déjà à température. Et on va en prendre une bonne louche. Et on va le mettre dans le moule sans tout mettre à côté. Hop. Et on a notre lettre de plomb, notre locomotive qui s'est ainsi créée, fondue. Et elle est déjà dure, oui. Elle est tellement dure que j'arrive plus à la sortir. Et voilà. Et on a notre lettre de plomb. Après, on va couper en fait le rejet de la coulée et on va pouvoir composer notre texte avant de mettre en fait notre composition en machine et imprimer nos billets. D'accord. Donc on prend les petites têtes de plomb, on compose ici et puis. Moi, je me souviens de ça, qu'on voyait cet appareil-là dans les gares. Exactement. Tu peux m'expliquer ce que c'est? Alors, son surnom, c'est la girafe, c'est la dateuse. On a en fait ici les molettes pour mettre jour, mois, année, et simplement l'employé de gare mettait le billet qu'il était en train de vendre dans la fente, il appuyait et ça marquait en fait la date pour valider le billet. Très bien, je te remercie. Qu'est-ce que tu as comme autre trésor à nous proposer ici? Alors, pour imprimer, en fait, une fois qu'on a fait notre composition, on va la mettre dans une machine. Là, on a un petit modèle, c'est la petite machine à carte de visite. Et là, aujourd'hui, spécialement pour les 150 ans du LEB, on a imprimé la petite chanson de la brouette des Chalons en souvenir. Donc toutes les lettres sont fondues comme on vient de faire la démonstration juste avant, et les gens voilà, peuvent repartir avec un petit souvenir. Et dans les autres petits trésors, on va dire, qu'on a sur le stand, on a en fait ici une petite rareté, c'est la composition en lettres de plomb de l'indicateur officiel du Lausanne-Echallens-Bercher. Le dernier indicateur officiel imprimé en plomb, c'est l'hiver 81-82, et la page en fait qui est ici a été imprimée grâce au caractère qu'on a là dans cette vitrine. Ça, c'est extrêmement intéressant, et en plus tu m'apprends quelque chose d'assez amusant, c'est que été 82, c'est la mise en service de l'horaire cadencé, et ça veut dire que le dernier horaire, exactement, avant l'horaire cadencé, c'est le dernier qui a été imprimé, exactement, en plan. Alors, sans trop raconter de bêtises, ils ont effectivement profité de ce changement pour changer l'imprimerie. Parce que voilà, travailler au plomb, ça commençait à, ça consomme beaucoup de temps, beaucoup de personnes, et puis c'est lourd et c'est compliqué. Et je dirais le changement de manière d'imprimer dans le monde, c'est les années 80, et au CFF ils ont été assez rapides parce que justement tant qu'à bouleverser, et les transports bouleversant aussi l'imprimerie. Eh bien Nicolas, je te remercie pour toutes ces informations, et puis bonne journée et bonne fête au LEB. Avec plaisir, merci à vous aussi. Vous avez pu suivre les coulisses de ce tournage sur nos réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook ou encore X. Notre pseudo, railone.ch. Les festivités des 150 ans du LEB battent leur plein ici sur la place de la gare à Échallens, mais la fin de l'émission arrive aussi gentiment. Cependant, nous avons encore le clou du spectacle. Nous embarquons tout de suite dans le convoi emmené par la locomotive numéro 5, revenue spécialement sur sa ligne d'origine pour l'occasion. C'est une séquence découverte signée Étienne Bergeon, Alexander Strempa et les images de toute l'équipe. Bercher, campagne, calme, nature. Pourtant, si près de Lausanne en train. Et si on le prenait? Que jusqu'à Échallens, certes, mais en train à vapeur. Et chose faite, nous sommes partis à toute vapeur vers Échallens. Je vous le dis tout de suite, ça ne va pas très vite. Mais au moins, comme ça, on prend le temps de voyager, de profiter de chaque bout de paysage. Sur le Lausanne-Echallens, tout doux, tout doux, tout doucement, j'ai fait un voyage d'agrément. Tout doux, tout doux, tout doucement. Et voici les gens d'Échallens, tout doux, tout doux, tout doucement, venant du café du Léman. Tout doux, tout doucement. Les voyageurs montent dedans, tout doux, tout doux, tout doucement, en disant « on a bien le temps », tout doux, tout doucement. Enfin, le train part lentement, tout doux, tout doux, tout doucement, puis s'arrête au bout d'un moment, tout doux, tout doucement. Les vaches du pays roman, tout doux, tout doux, tout doucement, guignaient le train en rigolant, tout doux, tout doucement. En arrivant tout près d'Assan, le chef de train dit gentiment « On atteint l'express de botte, tout doux, tout doucement. » Et maintenant, en m'en allant, tout doux, tout doux, tout doucement, écoutez cet avis prudent, tout doux, tout doucement. Pour voyager rapidement sur le train Lausanne-Echallens, partez à pied, marchez devant, tout doux, tout doucement. Alors oui, nous ne sommes pas dans l'Arizona et notre train n'est pas un TGV. Mais il faut apprécier ce genre d'instant précieux où l'on peut entendre les roues tourner, les gens ouvrir les fenêtres, contempler et parler du bonheur, du bon temps, du paysage, de la beauté, de ces mouvements parfois devenus banals. Ces voitures qui nous disent bonjour, ces vaches qui lèvent la tête, ces champs qui rayonnent face au soleil et ces montagnes, ces humains, toute cette merveille. Alors ce que je viens de vous dire, ce n'est pas la brouette d'Échallens, ce sont des lignes que je n'ai pas écrites. C'est en regardant les vidéos que j'ai tournées pour la chronique découverte que vous regardez, que j'ai improvisé. Les images sont belles, mais il faut dire que le contenu l'est également. Et tout cela m'enchante, m'invite à parler, à sourire, à me dire « mais tout ça c'est à côté de chez moi, il n'y a pas besoin d'aller loin ». Il n'y a pas besoin de tant débourser. Alors oui, c'est un certain privilège. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut voyager avec ce train, à cet endroit. Mais on peut en profiter. C'est beau, c'est unique, et même si ce n'est pas forcément la dernière occasion, il faut se rappeler que rien n'est infini, et que chaque jour, chaque geste, peut changer notre vie à jamais. C'est intéressant. Prenez soin de vous, découvrez, et je vous dis à bientôt. Après ce magnifique programme, nous concluons cette émission autour des 150 ans du Lausanne-Echallens-Bercher. Nous avons été 13 aujourd'hui à tourner cette émission et nous espérons que cela vous a plu. Tout ceci a été possible grâce à une superbe collaboration que nous avons eue avec les transports lausannois et le Blonay-Chamby. Merci à eux, merci à vous également. Vous avez été très nombreux à nous saluer lors du tournage et vos retours nous sont essentiels pour avancer. L'aventure Rail One continue bien sûr sur nos différents canaux de diffusion, comme sur notre chaîne YouTube, pour revoir tous nos épisodes en tout temps. Toute l'équipe se réjouit de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission, mais d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Bonne soirée.